Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette idéale pour l'été. C'est des tomates farcies au surimi, maïs et mayonnaise. C'est un délice avec une salade. Pour ça, il nous faut des grosses tomates, du maïs, des miettes du surimi ou des surimi coupés en morceaux et de la mayonnaise. Première étape, on vient créer un sorte de chapeau à notre tomate. Une fois que c'est fait, je viens passer mon couteau tout autour pour que ce soit plus simple pour la vider. Et ensuite, à l'aide d'une cuillère à soupe, je viens continuer de creuser ma tomate et je mets ça dans un saladier, bien sûr, parce qu'on va s'en servir dans notre mélange. Vous allez voir, au début, c'est un peu difficile, mais une fois qu'on a le coup de main, ça va tout seul. Mes tomates sont vidées, donc là je viens découper les morceaux de tomates que j'ai retirés et que j'ai mis dans mon saladier. Donc je coupe ça grossièrement, mais j'essaie de faire des bouts quand même plus petits que ce que j'ai retiré à la base. J'ai enlevé un surplus de jus de tomates qu'il y avait. J'ajoute ensuite mes surimi. Comme je vous dis, moi j'ai pris des miettes, mais des surimi coupés en morceaux, ça va très bien la faire. Et ensuite j'ajoute mon maïs. Je mélange un peu. Et maintenant, je viens mettre 3 cuillères de mayonnaise. Je mélange bien ma préparation pour que tout soit enrobé de sauce. Et ensuite, tout simplement, je viens prendre mes tomates. Et je mets à l'intérieur ma farce. J'ai mis la farce dans les tomates. Maintenant, pour un côté purement esthétique, je viens remettre les petits chapeaux que j'en ai découpés des tomates au début. Et voici, cette recette est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment très frais et super facile à faire. Je vous fais plein plein de bisous et je vous reviens très vite avec de nouvelles recettes. Bye !